Hello tout le monde, on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va partir en balade avec Anaël et avec la Douna. Alors, je sais pas, sur un coup de tête, j'ai décidé que j'allais aller me balader. C'était pas du tout dans l'optique de faire une vidéo, j'ai juste envie d'aller faire une balade. Donc on va habiller Anaël parce que bah, petit loup est encore en pyjama. Il fait un petit peu chaud quand même pour être en pyjama assez chaud. Donc on va l'habiller ensemble et ensuite on va l'installer en poussette et partir. Alors, mon petit loup est en pyjama. Encore de la semaine dernière, de quand je suis allée faire une balade avec Clara. C'est vrai, la semaine dernière, il faisait pas mauvais, mais il faisait pas très chaud non plus, pas autant qu'aujourd'hui. Le pyjama était, oui, plus ou moins adapté. Mais là, par contre, aujourd'hui, un peu plus chaud, c'est un petit peu chaud. On va le mettre en tenue classique, pas trop découvert non plus, mais ça sera pas du polaire comme le pyjama. Et ensuite on partira en balade. Alors, donc pour la sortie de Anaël, on va mettre un petit bonnet léger comme ça, les petites chaussettes noires. Un body blanc, une combinaison comme ça, donc elle est pas super légère, mais elle n'est pas non plus très chaude. Voilà, donc maintenant on va l'habiller. Et voilà, bébé est prêt. On montre vite fait comme ça. Maintenant on va l'installer dans la Douna. Voilà la poussette. Hop, on va installer bébé. Je vais vous montrer. Alors, je prends un aile. Donc voilà, bébé est installé. Je vais vous montrer un peu plus en détail. Sais pas si je le laisse comme ça. Bon, voilà, il est installé. Franchement, il est trop mignon. Comme ça, je trouve sa tenue, il lui va super bien. J'en ai tellement qu'il y en a qui ont, il a pas du tout essayé. Il est trop trop beau comme ça. Par contre, je sais pas du tout si je laisse les bras en l'air ou pas. Parce que les nouveau-nés ont tendance à dormir un peu bizarre. Voilà, et du coup je vais lui mettre le petit Mickey comme ça. Voilà.
Bébé est prêt pour la balade. Je vais essayer de trouver une petite tétine. Alors, au niveau des tétines pour Anaël, va falloir vraiment que je réaimante des tétines, parce que là, clairement, j'ai plus rien du tout. J'ai des tétines, j'ai beaucoup de tétines qui ont perdu leurs aimants. Bien sûr, les aimants, je les retrouve pas. Je suis embêtée. Donc, j'ai quasiment plus rien au niveau des tétines. Ce que je peux faire, du coup, c'est juste prendre une attache comme ça avec une vraie tétine, quoi. J'ai vraiment plus grand chose. Il y avait celle-ci qui lui allait, mais elle est plus aimantée. Celle-ci, c'est sa tétine d'origine, mais pareil, elle est plus aimantée. J'ai celle-ci. Je vais essayer. Ouais, donc celle-là lui va. Faut juste que j'essaie de mettre un peu plus à plat l'aimant. Ouais, donc je vais essayer de rafistoler ça et je vous reprends après. J'ai laissé tomber les dés de la tessine blanche. Je vais mettre celle-là. Bon, elle est peut-être un petit peu grande par rapport à la tête, mais en soi, ça va encore, je trouve. Ça va encore. Ouais, ça va encore. Il y a pire. Bon, allez, go. On va y aller. Et en guise de petite couverture, je vais mettre un linge super fin, super léger, pour dire qu'il est juste un petit quelque chose sur les pieds. Bon, il est 18h, donc on va y aller quand même, je pense. J'ai pris le petit sac Doona, comme ça j'ai mon chargeur, ma batterie de secours. J'ai de la batterie, mais on sait jamais avec les vidéos que je fais. Et j'ai pris aussi mon porte-monnaie et une bouteille de Diabolo menthe, de Diabolo grenadine, quand j'ai soif. Du coup, c'est mon sac Doona, donc je vais l'accrocher derrière. Bon, il est 18h, donc on va y aller quand même, je pense. J'ai pris le petit sac Doona, comme ça j'ai mon chargeur, ma batterie de secours. J'ai de la batterie, mais on sait jamais avec les vidéos que je fais. Et j'ai pris aussi mon porte-monnaie et une bouteille de Diabolo menthe, de Diabolo grenadine, quand j'ai soif. Du coup, c'est mon sac Doona, donc je vais l'accrocher derrière. Et voilà, donc c'est parti. Donc pour rappel, je peux filmer que dans ce sens-là, quand je suis en socle poussette, puisque sinon vous voyez la poignée de près. Donc il n'y a pas le choix, je suis désolée.
Ça y est, avec bébé Anaël, on est rentré à la maison. Donc là, du coup, je vais descendre bébé de la poussette et on va le mettre en pyjama. Donc, on va faire ça ensemble. Alors, je descends bébé. Je vais lui laisser le petit body blanc et du coup je vais lui mettre ce petit pyjama là qui lui va trop bien. Enfin, franchement je devrais en mettre plein d'autres mais il me fait trop craquer avec ce pyjama là. Depuis le début je l'ai. Il est arrivé dans cette tenue d'ailleurs et j'ai adoré, vraiment. Ça lui va tellement bien. Bon là, à part que le body, il est avec des petites étoiles, mais sinon il est arrivé avec un body tout uni blanc. Il y a un petit bonnet blanc aussi. Et franchement, ça lui va merveilleusement bien. Faudrait juste que aimante sa petite tétine bleue avec le nounours dessiné dessus. Et ça serait nickel. Et voilà, je vais vous montrer. Et voilà, maintenant vous comprenez pourquoi je lui dis que ça lui va trop bien. Il est trop beau dans cette tenue, mais vraiment, ça lui va trop bien. J'adore. Je vais essayer de retrouver de nouveaux petits pyjamas comme ça, bretelles avec pression. C'est super simple à mettre. Et c'est la marque Inextenso, s'il y a des personnes qui sont intéressées. Voilà. Bah voilà, du coup maintenant je vais installer bébé dans le lit pour la nuit. Donc je vais vous montrer comment je fais. J'ai mis un réducteur de lit. Ça là-bas, le truc gris, c'est ce qui va normalement ici au niveau des pieds pour caler bébé. Mais je m'en sers un peu pour masquer les barreaux. Je vais essayer de trouver une tresse de lit ou quoi pour les barreaux. Prochainement. Voilà, parce que pour l'instant j'ai pas grand chose puisque le lit ça fait pas énormément de temps que je l'ai. Mais voilà, du coup je vais installer bébé. Voilà, donc ça c'est ce que je vous disais, c'est pour normalement mettre au niveau des pieds ici, mais c'est un peu embêtant je trouve. Donc je le laisse comme ça près des barreaux. Et voilà. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère en tout cas qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, à activer la cloche de notification pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos. Et je vous dis à bientôt. Bisous!